Oui. Allô. Oh, oui. Ah. On vous dérange? Oh non, 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 non. Non, ben un petit peu, là. Ben, c'est parce que ton père et moi, on est en train de se préparer. On part de bonne heure demain matin. On s'en va passer la fin de semaine au château Frontenac. Oh, wow! Ah, merci! En quelle honneur? Je prends ma retraite. Votre retraite, Monsieur Blanchard? J'ai vendu mon garage. Tiens, Rick. Je pense que le compte y est. Je règle les dettes de mon gars. Puis j'avais pas de condo à côté de chez nous. Vous avez vendu à qui? À l'amicale des joueurs de pétanque de Côte-Rouge. 250 000 piastres. Mais vous êtes malade. Je vous offrais 550 000 pour votre garage. Ah oui, mais à 250 000, je garde une part pour aller jouer à pétanque n'importe quand. Le commerce va rester là. Puis il n'y aura pas de condo. Cœur, est-ce que vous me faites là? Vous saviez que je le voulais à votre garage. Vous me crossez, puis vous vous faites fourrer par votre gang de zoos. Hey, tu parleras pas mon mari comme ça, toi, Éric Milzour. Je te l'avais dit, Éric, j'ai rien à faire avec mon père, il est né pour un petit pain. Hélène Blanchard, tu parleras pas à ton père comme ça, pas après tout ce qu'on fait pour toi. Viens-t'en, Hélène, on sort d'ici. Voyons, Mémé, t'es pas encore dû. Non, je sais. Oh! Appelle la sage-femme, OK? Viens, 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 viens.